Donc, c'est comme toute la histoire, il y a préfecture, quand je vois les gens faire les lives, quand j'arrive à mon candidat, tout en sachant que, aux gens pour ça, la formation, ceux qui ont ton numéro, ils savent que tu es en formation. Je suis même en pleine formation, Teta. Ils vont me couper ma formation. 22 000 euros. 22 000 euros. Ils savent combien coûte la formation, comment faire pour avoir une formation dans ce pays. Hein? Ils croient que tout le monde est inculte. Bah, éviter que yo ait étudié en Ukraine, bah, éviter, bah, quand il y a un connard qui l'a dit, excusez-moi le terme, oh non, Bitumba, c'est 100-0, mais lis Bitumba, ça s'écrit avec B-I-T-O-U. Ceux de Kinshasa, ça s'écrit pas comme ça. C'est Bitumba, c'est Bitumba, donc c'est B-I-T-O-U. Attends, occupez sur l'autre les gars, attends, occupez maintenant là. Actuellement, vraiment, que Dieu fasse grâce, préfecture est commis trop compliqué. Trop compliqué. Pour l'empêcher même au Canada, par rendez-vous est commis. Vraiment compliqué pour l'empêcher au Canada. Donc j'allais souligner un peu ça par rapport à ce que je comprends. Nous, on est à ça, son papier, à son papier. Mais même si Bango va convoquer, comme ça, on a trop mal expliqué, tout en sachant que récipice les acquis à jour. Moi, je suis passé par la raison pour laquelle la matinée allait pour la témoigner. Merci, Tata. Merci, Tata. Trois mois. Merci, Tata. On va faire tourner le panel, s'il vous plaît, les modérateurs. Bonjour. Roméo. Oh, Roméo, c'est comment? Ouais. Tata, on va te faire descendre. Hein? Obi? Ouais, l'Oba, notre nom, on va faire descendre des gens pour essayer de permettre aussi aux autres. Ah, merci, ouais, les modérateurs. Kitoko Roméo, posé. D'abord, on toque maman. Kitoko. C'est bon. Merci. Allez-y, prenez la parole, on va continuer. Oui, Fay, bonjour. Bonjour. Bonjour, Fay. Bonjour. Oui, c'est Armand. Ouais, Armand, ouais. Ça va. Ouais. Écoute, juste pour t'exprimer, pour exprimer toute ma joie que tu sois dehors. T'encourager encore. Parce que le courage, il en faut. Tout à fait. Tu es l'un de ces rares personnes qui garde toujours sa position fixe. Tout à fait. Même quand tu parles, tu sens la combativité. Tu as l'étoile des grands hommes. Merci. Continue comme ça. Merci. Je crois que même les forces de la nature sont avec toi. Merci Armand, merci. J'ai pleuré, tu ne peux pas savoir combien de fois j'ai pleuré quand j'ai suivi toute cette affaire-là. Je me suis dit, tiens, mais... Brazzaville a vraiment les mains longues jusqu'à ce que venir toucher des institutions ici en France. Vous savez, en France, quand on dit que non, la corruption n'existe pas dans l'administration, c'est faux. Je peux vous raconter une histoire encore. Je connais quelqu'un qui a eu la nationalité par des voies, mais bon, ça c'est ça reste entre guillemets, on ne va pas le dire ici. Te voir toi encore, alors que ta situation était comme ça, te voir toi encore en France, c'est une preuve pour moi. J'en peux vous dire pas de quoi. Pour moi, c'est une preuve que ce combat que tu mènes, tu as accompagné. Merci. Tu as accompagné. Merci. Sinon, tu allais te retrouver au Congo. Tout à fait. Et encore, la France a des institutions fortes. C'est-à-dire, il y a des politiciens qui peuvent être des corrompus. Exactement. Mais la justice française reste une justice indépendante. Et la preuve, elle est là. Donc, ils ont tout fait pour prendre la justice de court. Et la réactivité a fait que qu'ils ne pouvaient pas contrôler la justice. Aujourd'hui, tu es libre. Exactement. Et moi, le seul conseil que je peux te donner, n'abandonne pas le préfet, il faut porter plainte. D'accord. Ici, en France, c'est comme ça. Il faut porter plainte contre le préfet pour que les préfets qui seront encore, parce que je ne vois pas pourquoi on peut te prendre comme ça si ce n'est pas le préfet lui-même. Et à écouter ton récit, ça veut dire que les préfets lui-même, il était mobilisé pour que tu répartes. Exactement. Il sait qu'en le faisant, il marche sur la loi.
dire que c'est tout le ministère de l'Intérieur ou des Affaires. Exactement. Non. C'est quelques individus. Exactement. Donc, on tourne vite fait. Exactement. Ouais, c'est un petit quelqu'un qui parle beaucoup, tout ça. On va le faire, ça va passer inaperçu. Exact. Mais ils ont oublié la capacité. Aujourd'hui, ils ont oublié la capacité qu'ont les réseaux sociaux, ont les réseaux sociaux, de mobiliser les gens, de diffuser vite fait les informations. Donc, il faut porter plainte contre les préfets. Le préfet, tu en as le droit. Parce qu'il a marché sur le droit. La France est un pays de droit et beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de morts. Beaucoup de gens sont morts pour que le droit ici en France existe. Pour ceux qui connaissent l'histoire de la France le savent. Et un individu ne viendra pas marcher sur ce droit que les Français ont voulu et obtenu par leur sang. Je t'assure. Je t'assure. Donc, il faut porter plainte contre ces mesures. Ayant un enfant français, ça suffit pour ne pas qu'on te... Même quand on te donne des rendez-vous à la préfecture, là, je ne sais pas pourquoi. Normalement, tu as déjà des enfants français sur le territoire. Tu travailles, tu justifies un travail. Tu es quelqu'un qui apprend. Normalement, tu devrais déjà avoir ta carte de 10 ans. Depuis, en plus, j'ai fait plus de 10 ans sur ce territoire, mon frère. Bah, tamboussa, tamboussa, ngaga. Hein? Qui m'ont tellement dit bon dos, qui a bon, on a niveau. Donc, continue comme ça. Et franchement, je suis fier de toi, Fai. Merci, Fai. Je suis fier de toi. Merci. Et nos prières continueront à être adressées à Dieu pour toi. Parce que ce que tu fais là, comme on dit, une âme qui s'élève, élève le monde. Ne regarde pas, parce que parfois, il y a un petit découragement en toi. Et ça, c'est normal, parce que c'est humain. Tu vois, c'est humain. Que non, bah, on va les se mobiliser, arrêter, tout ça, non. Une âme qui s'élève, élève déjà le monde. Le fait que toi, tu sois déjà élevé, qu'il y a quelques deux, trois personnes qui te suivent, c'est déjà un bon exemple. Et merci. Le pouvoir de Brazzaville tremble, tremble, t'as là. T'as là, n'est-ce fait tremblement. T'as là, va mobiliser là-bas, avion. T'as là, n'est-ce pas, n'est-ce pas, bima. Je te dis. Mamba Sony, Koutou. Il y a Mamba Sony. Voilà. Donc, mon frère, courage, et puis... tu n'insultes personne. Moi, j'ai jamais vu dans tes vidéos insulter quelqu'un ici. Voilà. Tu parles du pays. Tu parles de... Ça reste un combat d'idées. Eux, ils veulent te voir à Brazzaville là-bas. On ne sait pourquoi. Parce que c'est un secret des polichinelles. Et que aux Zonga, comme ça, bon, bah, voilà. C'est ça. Alors, là, j'ai duré en silence. Merci. Mais continue comme ça et puis courage. Merci, Armand. Je vais te le dire maintenant là. Merci, Armand. Que tu as le soutien de tout le monde. Merci, Armand. Allez, ciao. Merci. Faites passer le panel, les modérateurs. Bon, moi, je vais parler un peu. Hey, s'il te plaît, je vais te proposer une chose. Demande au modérateur de donner la parole par rapport au premier arrivé. Au fait, Moto Bagotia au grand écran, c'est la personne qui va prendre la parole. Les modérateurs sont en bas. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Yaya. Bonjour Modeuse. Ça va, tu vas bien? Oh, tranquille, toujours wow. Ah, ça fait plaisir de t'entendre, hein. Je me réjouis, je me languis de t'entendre. Merci. Et moi, je tiens franchement à dire merci Seigneur d'avoir permis ce qui s'est passé, même si ce n'était pas évident. Parce que avec ce qui s'est passé là, on a compris quel grand homme tu es. Merci. Voilà. Merci. L'importance que tu as. Et continuer à impacter dans ce sens-là, vraiment. Merci. On va les imposer ce vivre ensemble. Cette jeunesse-là va avoir sa place. On va le faire. Vous allez me voir. Ceux qui ne croyaient pas, ils vont comprendre. Mais bah, on comprend peut-être moins en retard, mais on le fera. Ne vous en faites pas, chers amis. Il y a une autre chose. Il y a une autre chose. Excuse-moi, comme ça, je vais chuter. Hein, je vais trouver des enfants. Je tiens aussi à dire merci à madame. Merci. Elle t'écoute. Elle t'écoute, ouais. Merci pour la patience, le cœur qu'elle a eu à supporter là. Félicitations à elle et franchement Yaya non. Nous autres c'est la carte à mariage parce que nous sommes tous recevés là. Recevés là ma cassie. En tout cas je t'embrasse et j'espère que tout le monde va bien, que maman aussi va bien. Ouais ça va. Ça voilà. Bien chose à vous et puis je vous embrasse. Merci, merci petite soeur, merci en tout cas, merci. Merci. Vous attendez, hein, les modérateurs vont mettre la personne, voilà. Le prochain, voilà. Oh, double clic, double clic, double clic. Bonjour mon frère, bonjour.
Nayoki trop à retour Nayo. Ah là 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 là. Merci mon frère, merci. Bon, moi d'abord, je voulais remercier Terre Noire, mon frère, si tu m'entends. Merci beaucoup pour toutes les informations que tu nous donnais pour notre frère. Rodrigue, foutre-toi, merci. On vous a donné le numéro. Bonjour, viens, mon ami, qui avait appel. On va te savoir. Merci. Merci. Mon frère, tu es sorti. Merci. On a appris beaucoup de choses. On est tous divisés. Ouais. Non. Ouais. Moi, je dis toujours, il va sortir. Il y a des enfants ici, il ne va pas partir. La maison ouverte des champagnes, bah, c'est Félix, ce n'est pas un problème. Je ne peux pas parler beaucoup. Bye. Quand tu te bats pour le Congo, ce n'est pas pour toi. C'est un peu congolais. Pour tous les Congolais, ce n'est pas que pour toi. Mais le combat, comme tu as dit, ça va continuer. On est avec toi. Mais le seul truc que je vais te demander, Faye, il ne faut pas nous faire comme de certains de tes collègues. Et bien ça, je peux te demander. Merci. Pour que la panel tourne. Okay. Merci à toi. Merci, frère. Pour moi, c'est la famille, c'est bien. Merci beaucoup. Mais Terre Noire, on aura beaucoup à dire. Il y a beaucoup de choses qu'on est en train de mettre d'abord à terre. On va évacuer ça et puis voilà. On va mettre les trucs bien propres. Merci. Faites passer le panel, s'il vous plaît. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Mettez le cœur pour sécuriser. Oui, bonjour à tous. Bonjour, Rodrigue. Bonjour à tous les panélistes et ceux qui nous suivent de partout. En tout cas, d'abord, cher frère, cher aîné, d'abord, félicitations à toi. Comme toi-même, tu t'appelles le vainqueur des défis. Aujourd'hui, tu as été élevé au plus haut grade héros national. Donc, c'est le combat que nous avons gagné, c'est le combat de tout un peuple. Je pense à exact. Chris Mbouchi qui disait hier sur le plateau de Ziana TV que quand Benzema avait gagné le ballon d'or, c'était le ballon du peuple. Et nous, ta bataille, ça a été la bataille du peuple. En tout cas, je ne vais pas rester longtemps pour ne pas trop monopoliser la parole. Moi, tout ce que je suis en train de demander, je dis merci à tous les Congolais et Congolaises. Les Congolais et Congolaises, les gens ont tendance de penser qu'on n'est pas unis, les Congolais ne se lèvent vraiment pas, mais... Mais Steve, sois pour toi te couper. Regarde comment on appelle la fédération de l'opposition de là où le président Ndembantelo, ils ont fait un communiqué au pays. Le problème c'est quoi? C'est juste caca, il faut moi moto moi qui paye là pour que te vende d'accord. Mais on a le but de tika les sous te kokendango ensemble chers amis. On va les imposer le changement. Même si bazar caca attends va venir pouvoir en être imposer bango changement. Mais nous, on ne veut pas que Batoma me mène à Bissot, bah, idée na bango. Nous, stratégie na Bissot, ils allient que, changement, toi, pousser, bah, au bas, na quatre, y'en a, mais qu'a déjà, qu'on changeait, que malembe, malembe. Après, ouais, on doit, moyen, y'a qu'on faire changer, bango, tout, faites-le, on va féliciter. Ceux qui, ouais, ça, Libye, à Zana, quatre, un système, ou à toi, on va l'encourager, pour donner l'épidémie à d'autres personnes. Maintenant, on a besoin moyen à l'eau la barre, tout à salle, mambo, tout ce qui n'est rien. On va aussi le féliciter. Mais autre chose, ça, là, au bino, mambo, bon, d'ingé, dérangé, bango. On va rester dans ce sens-là, nous, pour le moment. Ouais. Voilà, merci. Donc, merci, je disais, en tout cas, cher ami, comme je l'ai dit, que le combat, c'est tous les Congolais qui ont gagné du sud, du sud au nord, de l'est à l'ouest. On ne pourra pas citer le nom. Exactement. C'est tout le monde qui ont gagné. On a vu sur TikTok, tout de suite, les gens ont pris la chose en main. Donc, en tout cas, les doubles clics, les tavernes, en tout cas, tellement il y a tous les Congolais, on ne pourra pas citer. Donc, cher ami, tout ce que je vous demande, comme a dit Faye, restons maintenant unis. Un peuple qui est uni, il ne peut jamais être vaincu. Rossi disait que le peuple gagne toujours et on a gagné. Félicitations à nous tous. Donc, on continue la bataille et la patrie ou la mort nous vaincront. Merci. Je laisse la parole à tout le monde. Merci, Rodrigue. Vraiment, on va faire court pour que tout le monde batte tout.
Prochainement, on va faire encore le live là où je vais vous parler un peu de la prison, là partout, là où j'ai passé pendant ces séjours-là. Merci pour les cadeaux. Là où j'ai passé à Bobigny, comment on m'a accueilli, et puis comment on appelle, je ne sais pas, Meni Merlanlo, je ne sais pas quoi, la combo Koutouboutika. Donc on a Bimi dans le bif, on a bossé un blanc, on a tout dans mon tour. Donc voilà un peu. Donc voilà. Donc là, c'est pour juste les salutations. Bah, tu vas à moi confirmer que non, ça va quoi. Voilà. Bonjour, champion. Bienvenue encore. Merci. Parmi nous, moi, je vais rapidement remercier trois groupes de personnes parce qu'on les oublie parfois. D'accord. Mais grâce à eux, sincèrement, cette victoire a été effective, elle a été complète. Je tiens d'abord à remercier madame. Merci. Madame, elle est forte. On oublie souvent les actrices de l'ombre, mais chapeau à madame. J'ai vu une femme brave, j'ai vu une femme courageuse qui a su accompagner son mari pendant les périodes troubles. Vraiment encore, comme a dit, je ne sais plus qui, je crois que c'était une sœur, c'était ma sœur modeuse, comme a dit, toujours c'est la liba, la wana toko honoré. Et vraiment, on a un cadeau spécial. Donc vraiment, continuez à soutenir notre champion, parce que comme on dit, celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur, et on sait qu'il a trouvé une bonne personne. Je vais aussi faire une mention spéciale, permettez-moi, parce que pour la liste, allez-y. Je vais vraiment remercier mon frère Terre Noire. S'il vous plaît, éteins le micro. Mon frère Terre Noire, dis chapeau à toi champion. Je sais qu'on t'a beaucoup remercié. Mais je sais pourquoi j'insiste. Chapeau à toi, mon frère. Tu as été d'une efficacité incroyable. Même quand l'adversaire voulait nous distraire, disperser nos énergies, tu as dit, hé, les gars, ne vous intéressez pas aux villageois ou aux yézas. Restons focus. Restons concentrés. Après, on va voir la suite. Tout les gens sont venus nous inventer des lois bizarres, des lois d'Hermané. Oh non, il y a une cellule derrière, il y a un tunnel où ils peuvent... Oh non, il était déjà arrivé Terre Noire à Dish. Hey, restons concentrés. On est resté concentrés, mais sincèrement, merci à Terre Noire et son équipe. On ne pourra pas tous les citer. Exactement. Les modeuses, les couches d'or, toutes les femmes qui étaient, même malgré leurs enfants, étaient à côté en train de demander leur temps. Ils ont dit, ah, c'est là, nous tous ont réglé ma cambo. Ils étaient motivés. Ah ouais. Chapeau à elle. Vraiment, s'il y avait une célébration à faire, vous devez recevoir des cadeaux. Et je vais chuter par un autre secteur qu'on oublie souvent, nos mamans, nos femmes congolaises. Sincèrement, les femmes congolaises, nous les hommes encore, on est habitués à certaines choses. Les femmes congolaises, elles se sont mobilisées. On doit les remercier. On a souvent les discours, parfois à les oublier, ou à les... La femme congolaise nous a représenté d'une meilleure, d'une belle des manières. Chapeau à nos sœurs congolaises, j'insiste encore, faille. Mère Ngoulou, bah, Ngoulou d'Afrique, tout ce monde-là. Je t'assure, ma soeur, Jiji Miyame, bah, il va être belé. Nos mamans de plus de 73 ans. Oh. 73 ans, nos mamans ont été loin, sont venues. Des personnes en situation de handicap sont venues. Donc j'insiste encore, les amis. L'union fait la force. L'union, comme je l'ai dit, l'union des personnes organisées permet toujours à gagner n'importe quelle bataille. Et ils n'ont pas réussi. Tout ce qu'ils veulent maintenant faire, c'est diviser avec le tribalisme. Vous avez tous vu les personnes qui étaient en train de sabrer le champagne, qui étaient en train d'inventer des dossiers à faire, c'est les mêmes maintenant qui sont en train d'alimenter le tribalisme. J'appelle encore à la mobilisation et à la sagesse de tous les amis. Restons unis. Ça leur énerve que faille à un groupe de personnes mobilisées. Restons donc unis, je m'arrête par là, sinon je risque d'empêcher les autres de parler. Mais merci, s'il vous plaît, pas de tribalisme, restons unis. Ne s'occupons pas des liaisons là, ils ont loupé leur coup, ils veulent maintenant nous diviser. On n'est pas divisés. Et voilà. On a tout donné. Merci, Chris. Merci. Merci. Max Nono. Max Nono, tu peux activer ton micro, frère. Oui, allô, on m'entend ? Oui, on t'entend. Voilà, Faye. Non, je voulais juste te dire merci et courage, pardon, pour ce qu'on a eu à faire. Et tous les Congolais, en tout cas, qui se sont mobilisés, que ce soit en présentiel, au centre de rétention,
que ça soit également ceux qui ont eu à faire des cotisations sur la cagnotte. Exactement. Et moi, je voudrais juste marteler sur un point. J'ai dit que quand j'étais en rétention, il y a ceux qui avaient du mal, ceux qui ne se sentaient pas bien, ceux qui, peu importe les moyens, ils faisaient de leur mieux pour que tu sortes de là. Et il y a ceux, pour eux, c'est une puissance. J'aimerais juste dire que contente-toi plutôt à ces gens-là qui ont été de ton côté. Essaye un peu de mettre de côté ceux qui ont, ceux qui se sont réjouis ou ceux qui se réjouissaient de ta chute. Parce que si tu rentres dans leur jeu, ça te rabaisse et tu deviens au même niveau qu'eux. Donc reste en hauteur. Ceux qui ont aimé, ceux qui ont voulu, ceux qui ont souhaité que tu repartes à Brazzaville, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, tu es le national, ne les calcule plus. Et bon, 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 frère. Merci Max. Dans tous les cas, Max, nous on parle de nation, on parle même pas des personnes. Même ceux qui sont au pays là, on parle pas un tel. On parle d'un système qui est là, qui doit changer. On parle du pays. Ceux-là, ce sont des parasites. Les parasites, pour qu'ils vivent, ils doivent se coller à un truc. Si je n'étais pas allé en prison, ils n'allaient jamais parler. J'étais là, ils parlaient pas. Quand le chat n'est pas là, la souris danse. Donc c'est à cause de ça qu'ils ont encore repris, on peut parler, on n'a pas leur temps. Ce que nous avons, c'est de réunir les Congolais, c'est de dire à nos parents, vous avez dans vos droits de réclamer vos retraites, l'argent de votre retraite, de réclamer, des boursiers, de réclamer vos droits, de manifester, de montrer... De manifester, c'est dans vos droits, chers amis. De faire comprendre le Congolais, peu importe de là où tu es. Aujourd'hui, le Congolais n'est plus valorisé. On doit racheter ces valeurs-là. Parce que si on leur laisse ça, ils ne vont pas nous valoriser. La preuve est que je salue là notre sœur Flore Barroso. J'imagine, vous imaginez cette sœur quand elle a entendu qu'on m'a arrêté. Je ne sais pas, elle a la guille parfois. Mais combien de papas m'ont appelé, ils pleuraient. Papa, Leli, maître Medenganga, les Kissinga téléphone. Papa, Zolé là. Maman, Zolé là. Vous imaginez? Mais il doit avoir plusieurs failles comme ça au Congo. Chers amis, je suis arrivé à un niveau, j'ai dit à l'avocate, s'il n'y a pas le choix, je veux repartir. Il me dit, t'es sûr? Moi, j'ai dit, je veux repartir. Parce que, tu crois qui m'a destin, c'est le destin qui est comme ça. Mais, on peut faire changer les choses. Dans le Joseph ou José à Botemagui, il y avait des gens qui voulaient changer destin à Jésus. Mais il y a eu des gens qui ont lutté. Donc c'est ça, je ne dis pas que moi je suis Jésus, mais dans le sens où le Congo va se imposer but sur le mal. Mais nous, on peut faire changer le mal-là. La preuve est que quand on parle, ça leur dérange. Sinon, ils n'allaient pas se mobiliser jusqu'à chercher même voler à l'aéroport. Ils n'allaient pas se mobiliser. Il y en a ceux qui ont même honte, ils commencent à se jeter de tort. Il y a des gens du PCT profond qui m'ont appelé, que je ne citerai pas les noms. Je vais vous dire un nom ici pour que Moutanga comprenne que je l'ai à l'œil. Karanda, tu étais à Sarcelles. Partout là où j'étais informé. Karanda, tu étais à Sarcelles. Là où tu étais à Sarcelles, c'était une veillée de quelqu'un qui était décédé de Dolizy. Tu sais avec qui tu as parlé. Quand on t'a dit que non, au Congo, ils ont la mort. Tu sais, je ne vais pas donner des détails. Pour te dire combien de fois j'aide vos mouvements. Mais vous ne pesez pas, vous ne faites rien. Vous êtes des pauvres gens. Vous êtes des petites personnes. Nous, on s'occupe du pays. On va leur imposer le changement. Je peux vous dire, même, c'est dit, il y a trop de choses. Mais si on s'attarde sur ces gens-là, chers amis, ils vont nous désorienter. Ils vont nous désorienter. Ce qui est là, c'est de comment faire à ce que papy, là où il est là-bas, il devait avoir deux trucs sur sa tête même. Il y a Kanisek, tout autour de lui, il y a eu des gens qui ont voulu le faire un coup d'état. Quand moi, je devais être expulsé. Mais ça, je viendrai. Je vais vous expliquer ça en détail même. C'est ça qui leur dérange. Parce que j'ai tous les dossiers entre mes mains. Avant qu'on m'arrête, je vous ai donné juste la boîte binokaka ndambo likamba parfait collé là. J'ai le dossier à la main. C'est ça qui leur dérange. Ils savent de quoi parfait collé est décédé. Et certaines autorités de la France veulent que les choses aussi puissent être équilibrées, chers amis. D'où... Hein? Bon, je vous laisse, mon frère. Vas-y, Ange. Merci. Là, je suis au boulot, je ne veux pas trop parler, mais reste que 1%. C'était juste pour saluer ton courage. Merci. Le courage de beaucoup ici, là, les gens comme les Terre Noire avec son équipe.
les Krisomichi, ils sont beaucoup, les Kemp Mundele, qui ont vraiment lutté à ce que Batman se mobilise. Merci. Je ne peux pas trop parler, les gens me connaissent ici là. Je suis ici une grande gueule. Mais là, je suis au boulot, je ne peux pas trop crier. Merci pour le courage. Chers amis, on va mettre une dynamique d'ici peu là. Moi, j'étais en train de travailler avec ça, avec d'autres équipes, avec mes vieux. D'ici peu là, on va le mettre en place. C'est officiel, ça serait officiel. On résisterait à la préfecture. Ceux qui aimeraient rentrer, on va se partager les tâches. Il y aura des commissions. On va les imposer le changement, chers amis, dès maintenant. Voilà. Bonjour, bonjour, bonjour. 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 Maman Yo-Yo. Maman Yo-Yo. Donc, ah. Je suis vraiment dans la joie. Merci maman. Même si vous ne rentrez pas, je laissais passer les gens. Merci. Celui qui est avec nous me voyait faire passer les gens. Mm. Donc c'est pour te dire que il n'y avait pas que les jeunes qui étaient mobilisés, Faye. Donc tu as besoin de voir mon équipe, mon équipe. Non. Non, non, maman, non, 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 maman Yo-Yo, non, ça c'est une façon de parler, c'est au fait les équipes dont on travaillait avant, non, j'ai félicité tout le monde, maman. Maman Yo-Yo, on a félicité tout le monde, maman, on va mettre... Il doit savoir qu'il y avait beaucoup plus de femmes que les hommes même. Eh, maman Yo-Yo, maman Yo Bundela, maman. Ayo Bundela va maman. Ah oui. Bah comme c'est pas seulement les jeunes, couche d'homme, bah maman peut pas se lâcher. Ah ouais. Donc voilà, c'était pour dire vraiment qu'on était debout comme un seul homme. Mais il sait qu'ils sont comme un seul homme. Merci. Mais vraiment, nous étions tous debout comme un seul homme. Merci petit, maman. Grand vieux, comme un seul homme nous étions. Donc continuons comme ça. Merci. Merci. Fils promesse, tu peux activer ton micro? Allô? Oui. Ouais, t'entends. Ah, ok. Oui, premièrement, bonjour le panel. Bonjour. Bonjour Faye. Bonjour. Les soldats. Bonjour. Les champions. Bonjour. Écoute, j'ai pas grand chose à te dire. Parce que tout le monde. Ils ont dit tout ce que nous avons pu faire. Certes, il y a d'autres personnes qui étaient là aussi dans l'ombre. Bon. Écoute, Faye, moi, juste quelque chose, je vais te dire. J'étais à une autre étape. Tu sors de la rétention. Tu sors une nouvelle personne, une autre personne. Tout à fait. Donc, on peut dire ceci. Il y a une autre dimension qui a changé. Tout à fait. Je ne veux initier. Les initiés ou bien les spirituels peuvent comprendre ce qui se passe. Mmh. Et ce qui se passe maintenant. Tout à fait. Donc, Faye, ne te sous-estime plus. Merci. Ne te sous-estime plus, mais il y a une grande lourde charge entre tes épaules. Sachez. Le kangou est votre data. Maintenant, tout le kangou. Merci. Ah oui, ne prends pas ça. C'est-à-dire, j'ai resté concentré, regardé tout ça, j'étais là. Malgré que je ne voulais pas connaître le visage, je ne voulais pas t'arrêter comme ça, parce que bon, on était plus dans les émotions, mais on les contrôlait. Le combat a changé une autre dimension. Et tu as une grande responsabilité qui se repose sur tes épaules. Chima Samouta, ok, la parole. Merci. Merci. Merci, grand frère, merci. Okay. Salut tout le monde. Salut Blanchard. Ouais, j'espère que tout le monde va bien. Je ne vais pas peut-être trop monopoliser la parole parce qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitaient aussi dire. Hein. Moi, ce que j'aimerais dire, ce que nous devons faire, nous devons remercier des adieux. Nous devons remercier Dieu pour ce résultat-là. Et derrière, il y avait les hommes qui ont fait un travail remarquable. Zéro, ils ont quand même pu faire quelque chose qui a contribué à, aujourd'hui à ta libération. Il y a des détracteurs qui t'ont enterré, mais ils ne savaient pas que tu étais une grêle. Mmh. Et aujourd'hui, tu es sorti sous terre. Et c'est une
bataille qui a été gagnée. Par contre, ce combat continue. Mm. Et ça nécessite beaucoup de prudence. Tout à fait. De ton côté, parce que ça, c'est un moyen qui a été utilisé pour essayer de, voilà, de te mettre à terre. Mm. Ce moyen, avec toutes tes forces et la force de Dieu, mm. Ils ont été vaincus. Mm. Donc, il faut être encore redoublé de prudence. Tout à fait. De prudence. Parce que, comme tu le dis, hein, tu ne vas pas résilier ton combat parce qu'on a essayé de t'abattre. Mmh. Voilà, moi j'appelle là une nouvelle dynamique, une nouvelle stratégie à plus d'objectivité mmh. dans le combat au lieu de se disperser. Donc, c'est tout ce que je tenais à dire. Et aussi, il y a des gens dans l'ombre que tu voudras peut-être citer le nom ici. Voilà, qui ont contribué tant bien que mal avec leurs moyens à pouvoir mettre la main dans la panne pour avoir ce résultat. Donc voilà tout ce que je peux dire et on laisse le temps au temps qui nous donnera son temps. Bon. Merci. Mieluz, active ton micro. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, ma soeur. Comment il va? On est là, ma soeur. Il vient juste en soulagement, quoi. Juste question de ressentir cette joie-là, de faire ressentir cette joie que j'ai eue quand je dis à ma dit, a été libéré. Merci. C'est dans le groupe, quand je me veillais, mais j'ai crié, c'est pas possible. C'est ton parent. Je dis oui, c'est mon parent parce que c'est quelqu'un qui parle pour tout le monde. Tout à fait. C'est notre voix à nous, la voix de son voix. Merci. Notre héros à nous. Merci. En tout cas, Nzambazala Kanayo. Merci. Nzambazala, on a essayé, j'ai essayé dans tous les moyens avoir le contact de ta femme et tout, mais M. Serge n'a pas voulu me passer le contact de ta femme, j'ai dit c'est pas grave, il sortira toujours et on aura l'occasion de parler plus tard. Merci. Merci. En tout cas, Abadela. Abadela, merci. 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 Lumière. Lumière, toi-même, là, toi qui me disais, les stratégies failles, est-ce que c'était bon? Est-ce que, maintenant, qu'est-ce que tu en penses maintenant? La paix, ma papa. Toi et moi, on a causé le mercredi. J'étais appelé le mercredi pour te dire ce que je pensais du sujet que tu t'avais donné. Exactement. Et le jeudi, quand je rentre à la maison, je vais sur WhatsApp. Et comme malheureusement l'addiction, j'ai du mal à me débarrasser d'Internet. Je rentre sur le net, sur TikTok, je vois chez Terre Noire que Faye a été arrêté. J'ai bien expulsé, procédure d'expulsion. Papa, tu vas nous voir là, mon mouille. Moi, je ne t'ai jamais vu, papa. Je ne te connais pas de face sur Internet. Mais je te dis, c'est comme si c'est mon père qui mourait pour la deuxième fois. Ah, ça? Je te dis, je ne pouvais pas. C'était tellement fort que j'avais du mal. Je dis, mais s'il rentre au pays, on va le tuer. S'il rentre au pays, j'étais mal. J'avais même mal dormi ce soir-là. C'est au fur et à mesure qu'on apprenait des nouvelles que, hein, moi, espoir et combat pour mon papa. Vous avez vraiment un pas molayo. Merci. Je bénisse aussi ta femme parce qu'elle fait un grand travail. Mm. Elle a subi plus que nous. Ah, ça? Mais n'oublie pas, hein, Faye. Mm. Ce que tu es en train de vivre là, c'est ta destinée que tu vis. Donc, en fait, quand la devise du Congo, oublions ce que nous divisons, tes travail pour vrai. Merci. Les gens sont derrière toi. Merci. Les gens sont derrière toi. Moi, je ne savais pas qu'on était nombreux à être derrière toi. Vraiment. Ah, ça. Mais moi-même, je suis surpris. Continue à avancer. Tout ce que moi je veux demander à mon Dieu, qu'il te donne la sagesse, l'intelligence tu l'as. Merci. Mais ce qui est vraiment fort, c'est la sagesse. Que tu saches quoi faire, de la nyoko qu'elle est, avec qui marcher, avec qui ne pas marcher. Vraiment, que Dieu te bénisse davantage. Merci, ma soeur. Si tu n'étais pas vrai dans ton combat, tu tombais. Merci. C'était tout ce que
j'avais à dire que j'irai par où, 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 bonjour Faye, bonjour. Bonjour Jejimia. Bonjour à tous les autres qui sont dans le panel. Bonjour. Ben moi ce que je veux dire, c'est que dire vraiment je suis très contente de l'élection Faye. J'ai vu comment on s'est battu. Moi franchement j'étais dans les prières. J'ai jeûné pour toi. Ça m'a tellement fait mal. Le jour que j'ai appris ton incarcération, vraiment j'ai pleuré, comme dit la sœur. J'étais choquée. Mais vraiment, bravo à Terre Noire. Vraiment, garde cet ami. Vraiment, c'est quelqu'un de bien. Comment il s'est battu pour toi et tous les autres. Vraiment, double clic, il y a beaucoup qui se sont battus pour toi, Faye. Vraiment. Tu m'as vu, j'ai été te voir à la maison de rétention. Bien sûr. Parce que je ne dormais pas. J'ai beaucoup prié pour toi. Tu es quelqu'un de bien. Continue de faire du bien, petit frère. Ne lâche pas. Merci. Tu fais du mal à personne. Vraiment, je ne comprends pas chez nous au Congo, que ce soit ici. Entre nous, on ne s'aime pas. Ouais. Et à travers ton incarcération, il y a maintenant du tribalisme entre nous sur TikTok. Non, il ne faut même pas calculer ça. Je ne sais pas, papa nous était foufou. Je ne sais pas s'il est du Congo Brazza, s'il est du Congo Kinshasa. Ce n'est pas bien ce qu'il est en train de faire, mais ça va le rattraper. Là, il tue dans son TikTok qu'il n'y ait pas de sudistes, qu'il n'y ait pas de Nibolèques. Ma soeur Jijimia, il ne faut pas le calculer. Moi, je pense que, moi, je ne veux pas parler, mais je pense qu'au bonhomme, vous savez comment faire calmer les gens, au fait. Nous, on ne peut pas faire tout non plus. Attends, Jijimia, s'il te plaît, attends, ma soeur. Chers amis, nous, on ne peut pas faire tout. Nous, on mobilise, nous, on parle. Autrement, Bolaki, c'est mobilisation. 10 personnes sur vos sangs, vos corps, vos cabos, c'est lié à vos lobbies, n'ayez vos télémis sur le col à Mobali. N'ayez pas de rôle au banabino. Parce qu'à un moment ou un autre, les gens doivent se calmer, quoi. Hein? Bisous de gros, ça n'a tout la place, c'était, mes chers amis. Il faut que vous allez dans le bateau. N'ayez vos moni bon, vous s'organisez. Vous l'avez qui c'est qui Mobali. Ceux qui ont dit qui Mobali, vous l'avez qui Mobali. Alors, il y a encore des gens qui sont tribalistes dans la diaspora. Il y a un bateau qui va soutenir un même bateau. Après, c'était Babengingaï. Batapé, c'était ma bengine, la cam, on a crié, wow! Alors, Bipetti, on n'est pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Les autres aussi ne sont pas d'accord. Mais ne t'en fais pas, tu sortiras de là. Moi, je savais que j'allais sortir de là. Et je savais même encore, les gens qui complotent, il y en a encore même qui venaient même me voir. Il y en a même encore qui ont fait des vidéos de soutien. Mais on s'en fout, nous, ce qu'on sait, on doit arriver à l'objectif. Nord, du sud, est, à ouest, on est des Congolais. Quand les salaires ne sont pas tombés, ce n'est pas que les salaires des... S'il te plaît, les enfants. Quand les salaires ne tombent pas, ce sont les salaires de toutes les ethnies qui ne tombent pas. Bako Sabinote, ils vont vous désorienter. Mais moi, j'appelle au bonhomme, j'appelle aux gens. Voilà, on ne peut pas faire tout pour vous, chers amis. Vous avez pu mobiliser, montrer à l'opinion nationale et internationale que vous êtes capable de tout. Vous êtes capable, chers amis. Vous êtes... Si des autorités ont appelé, c'est parce qu'ils ont vu la mobilisation. Pour vous dire, pour vous montrer encore au niveau que moi, la police vient me voir dans ma cellule pour me dire, on va s'organiser pour qu'il n'y ait pas le désordre parce qu'on voit que tu as plus de visites. Et cette ville-là, on ne veut pas qu'il y ait le désordre. Donc, on va s'organiser avec vous, monsieur Bitumba. Ils ont pris mon numéro, ils ont pris la feuille. Badinanga, il y a prison, je pense qu'il y en a encore. Vous savez comment on est, non? Du bas, il y a prison, du photographiant, il y a un groupe WhatsApp. Il y a une hiérarchie, il y a une moto, il y a une équipe, journaux. Tous organisés. Il y a un même numéro, il y a Terre Noire. Mais pourquoi ils ont fait ça? Parce que le service de renseignement de ce pays, ils voyaient que non, dans notre communauté, il n'y a que ça, il n'y avait que sur faille, et les Congolais étaient prêts à tout. Donc si un individu comme ça, un saleté, un microbe comme ça, là, veulent mettre les trucs bizarres, mais vous savez comment faire. Hein? Les Nzibou va respecter, pourquoi?
Peut-être qu'eux, ils croient que la mobilisation va s'arrêter, que non, dans ma cagnotte, et qu'on s'arrêtait quand on a ma vidéo. Non! La mobilisation, là, nous, on est en train de mettre le truc, dans le niveau à préfecture, on mettra ça. Je vous ai dit, la façon qu'ils fouillent les autorités, là, fouillent les téléphones. Ils viendront ici, on va leur demander, viens parler, viens nous expliquer. On veut savoir ce qui se passe dans nos pays. On ne peut pas leur laisser tranquille comme ça. Ils doivent nous expliquer, chers amis. Tu es ministre, ok, dans ton ministère, qu'est-ce qui ne va pas? Il est à Paris, on a son adresse, on se mobilise deux bus. On va aller là-bas, là où il est. Tu es dans quel hôtel? Dans tel hôtel. On se mobilise, on prend deux bus, on vient devant l'hôtel, on veut parler avec ce ministre. Il doit nous expliquer. Et ça serait filmé. Voilà les stratégies qui vont leur déranger. On verra maintenant dans quel pays ils vont partir. Ils sont en Belgique, on prend deux bus. 20 personnes, 40 personnes, on va jusqu'en Belgique chercher ce ministre. Pourquoi vous ne payez pas les retraités? Pourquoi vous ne payez pas les boursiers? Hôtel, le député arrivé. Hôtel. C'est comme ça qu'on va arranger ça, chers amis. Voilà. Allez-y, mon frère. Bonsoir. Bonjour, 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 frère. Bonjour. Daliane. Ah. Bonjour, qu'on dit, président. À tous les panélistes. Paille. Oui, frère. Je suis conscient et je suis. Je m'a confirmé que je suis vraiment un vainqueur des défis. Merci. Vraiment, tu m'as confirmé que tu es un vainqueur des défis. Et tout ce que j'aimerais te dire, c'est que je ne sais pas si tu en es conscient toi-même, que tu as un gros aura et que là, tu viens de réveiller quelque chose. Tu viens de réveiller quelque chose. Je ne sais pas si tu en es conscient toi-même. Bien sûr. Il faut vraiment que tu en prennes conscience. Et j'ai envie de te dire que ce que tu as fait, ce que tu as démontré, j'ai vu des gens qui se sont déplacés. Moi-même, j'étais venu pour un jour, un seul jour, pour assister à l'audience qui était prévue le lundi. Parce que pour moi, ça se terminait ce jour-là. Le 17, j'avais un programme, un programme de famille, parce que je fêtais mes... D'accord. D'accord. Moi-même, tu connais les femmes comme elles sont. Ah, ça. Je me suis dit, je ne peux pas laisser ça. Je ne peux pas laisser ça. Pour faille. Merci. Mon frère, tu es quelqu'un. Merci. Tu es quelqu'un et je pense que ce que tu as fait, nous avons vu les Congolais. Je voudrais aussi passer un message aux Congolais. C'est que les Congolais ont pour habitude. Non, oui. une chaleur courte. C'est-à-dire que là, ils se sont levés et à un moment donné, ils vont s'éteindre. Et j'espère que cette fois-ci, c'est la dernière. Exactement. Je pense que là, nous devons complètement nous réveiller, nous lever totalement. Les Congolais nous ont montré leur efficacité, leur grandeur. Exactement. Partout. Et je pense que c'est le moment, effectivement, de prendre complètement les choses en main. Exactement. J'ai vu, il y a beaucoup de jeunes. Compétentes, il y a beaucoup de jeunes qui ont cette aura-là et je pense que c'est le moment. Merci. C'est le moment de jouer notre partition aussi. C'est le moment de nous lever, c'est le moment d'imposer notre vie. Merci. J'aimerais aussi dire merci à une personne, en tout cas je sais que beaucoup de gens l'ont remercié. Il s'agit de Terre Noire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que j'ai découvert très récemment. Je le vois sur TikTok, je l'ai vu sur TikTok et je l'ai vu pendant dans la restauration. Mais ce garçon est formidable. Ce garçon laisse tomber ce qu'il a fait. Je pense que si c'était quelqu'un d'autre à la place, connaissant les Congolais, même le centre de rétention, il devait se passer quelque chose. Il y avait un ordre pas possible qui avait été institué par ce garçon. Il y avait un ordre pas possible et les Congolais ont été sérieux, tranquilles, alors qu'ils pouvaient avoir, ils pouvaient avoir du désordre. Mais Terre Noire, vraiment, chapeau à toi mon frère. Ngeke bakala. En tout cas, chapeau et merci en tout cas. Allô. Oui, allô. Non, ne coupez pas, laissez les modérateurs, dès que la personne finit, attendez, c'est les modérateurs qui s'occupent des trucs, s'il vous plaît. Ça va pas commencer comme ça, s'il vous plaît. Donc voilà, Faye, en tout cas, courage à toi,
Merci. Tu as un esprit fort, tu es un brave garçon. Et je sais que nous allons aller quelque part. Merci. Nous allons aller quelque part. Merci. Nous allons faire de grandes choses pour ce pays-là. Merci. Il le faut. Il le faut, par tous les moyens, nous devons et nous allons y aller. Foncé, merci Foncé, merci. Voilà, merci. Courage, on est ensemble, ouais. On continue la lutte, on garde le combat. Exactement, c'est moi qui ai la chance, voilà. Ouais. Merci frère, merci. On a la aussi. Ouais. Vous attendez, c'est le modérateur, bah, il y a eu un attendez, attendez, s'il vous plaît, attendez. Bah modérateur, bah oui, bah toi, bah oui, bah ça va que là, bah on lit ça. Allez-y. Oui, allô? Vous m'entendez? On t'entend, maman. Bonjour, mon fils, qu'est-ce que tu veux dire là? Ah, m'yaf, chopariad, qui a ouvert ce cac? Ah, chopariad. Я вообще радость, вообще. Я Я тоже. Je bénis vraiment l'Éternel, je Merci. Bénis nos ancêtres pour que tu sois enfin libre. Merci maman. De tes mouvements, parce Merci. Que c'est ta place. Tu dois vaguer à tes occupations. Merci. Hein? Et je félicite vraiment tous ceux qui ont œuvré vraiment pour cela. Exactement. J'ai vu mes jeunes enfants vraiment s'organiser, mes mamans s'organiser avec les babakala. Vraiment. Je me suis dit, hein, ils sont nombreux comme ça. Ne t'occupe pas, s'il y a d'autres qui se sont vraiment. Qui ont pensé que c'était le moment où tu es en faiblesse et pour régler leur compte, ne t'occupe pas de ceux-là. Ce sont des lâches. Parce qu'un vrai homme, c'est pas ça. Et je voudrais te rappeler que c'est comme dans un village, on dit que le chef ne voit jamais le diable. Exactement. Donc ne t'occupe pas de ça. Toi, va de l'avant. Travaille avec ceux qui sont là. Nous formons. Hein? Nous sommes pour libérer notre pays. Nous sommes derrière nous. La porte. Donc, vraiment, c'était pour partager cette joie avec tous les autres. En tout cas, Dieu continue à te fortifier. Merci, maman. C'est tout ce que j'avais à dire, mon fils. Merci, maman. Merci. Merci. Oh. Merci. Merci. Tu peux ouvrir ton micro, le chouchou. On vous écoute. Le chouchou, tu peux ouvrir ton micro? Ok, parfait. Merci, le modérateur. Le chouchou, on t'écoute là. Là où tu as, il y a le bruit là. Ça va, le chouchou. Ah, merci frère, merci. Merci. Donc, continuez toujours à former ces équipes là-bas. Soyez toujours, formez toujours les équipes là-bas. On aurait besoin de vous. Ok, c'est bon, pas de problème. On est là pour toi encore. Merci mon frère. Tu me fais signe sur WhatsApp. Ok, c'est bon, là. Merci. Merci. Vraiment, bonjour à tous. Bonjour, maman. Vraiment, il y a femme dans Kataglimus de Mazono, comme d'apprendre libération en Gévou. D'accord. Dans Zambi. Tu aurais dû n'être que Pierre Noir, tu es maintenant on doit changer le nom là. Donc, c'est le moment que Bame se mobiliser et nous qui sommes au pays, ce côté dans les réseaux sociaux, nous avons un instant nouvel, nous courons.
Donc vraiment, il faut que l'ennemi libération anglais. Tatamana a sauvé le Congo. Belkamani Mangi. Merci. On te soutient. Merci. Notre frère. Merci. Merci beaucoup. Merci. Soda Pop, à toi la parole. Active ton micro, doyen. Soda Pop. Le vieux. Oui, Kouloutou. Ouais, c'est comment? Ça va, on est là, doyen. Ouais, d'abord, félicitations, voilà quoi. Tout le monde est content, tout qui rit, voilà, ça c'est une bonne chose, c'est bien. Voilà, donc moi je ne sais pas pourquoi c'est là, parce que je travaille. D'abord, merci pour madame aussi, parce que c'est elle, vraiment, elle a mené tout. Elle a tout fait, hein, elle a tout fait. Avec les autres, tout le Congolais était debout, voilà. Tu ne méritais pas ça en fait, tu vois. Bon, bref, donc moi je veux te dire que je connais maintenant c'est qui tes ennemis. Hein? Et tu comprends ce que je te dis? Je comprends. Donc. Voilà, donc là tu connais bien, maintenant tes ennemis là. Donc voilà, c'est tout ce que je veux dire. Donc courage, félicitations, voilà. Voilà. Bien vrai. Comme tu as dit toujours, les Keteka, là, et tout, les féliciter aussi, tout ce monde-là. Ouais, si, alors, le général Keteka, bien sûr, bien sûr. Voilà, donc c'est un peu ça. Courage à toi, n'oublie pas ce qui te finit, mais ça, faut... Oh là là, les modérateurs, là, la personne n'avait pas fini, les modérateurs. Moi, tu gagnes, moi, t'as ça, les modérateurs. Bon, où mettez le chrono, là, mettez le chrono, là. Allez-y, mon frère Jugel Babès. Jugel Babès, à toi la parole. Oui. Non, attendez, madame la préférée. Ok, attendez. Vite fait, nous à Brazzaville, nous avons un problème. Ouais. L'électricité, binomoko oui. Je suis un étudiant congolais. D'accord. Ngai na baninga na ngai na ba groupe na biso ba life totally. On a compris que vous êtes une étoile montante. Très bien. Sans vous le cacher quoi. Vous êtes une étoile montante pour nous, la nouvelle génération congolaise. Très bien. Donc on a zosenga vraiment. Longévité pour Nayo, bonheur vraiment, prospérité vraiment. Merci. Merci. Donc, la zone va bouillir vieux. Yoza leader na Bissau, il y a une nouvelle génération. Ouais, leader va dire, on va commencer à se soigner tantôt. Ouais, leader na Bissau, donc, tant on a le va bouillir. Je n'ai pas eu le temps de faire la première fois. La vidéo, on entend, on attend là. Dans le vitri. On doit te protéger, Dieu. En vrai, on doit te protéger. De certains Congolais, Dieu. Ah, bah, tu m'as suivi. À quoi y'a la peine à la live, au solo lit, mais à l'ingaïo, tes vieux. Ça, son vrai, je veux te dire. Alors, à la live, oui. Parfois, on se tenir, les élections se passent ici, au blé d'un vieux. Donc, Bissau, ton Timio. D'accord, mais Jugel, là, quand même, on a précisé. Il faut pas écarter ma vieux parce que là, na be kipo to sana bango za ba papa moto bazo sala makambo parfois moto a réfléchir bango ala li bébélé te ba papa na ba mama donc to ko kanté ba papa ba mama te to na besoin expérience na bango pour na to affronter stratégie to bandaki déjà na biso na bino
Donc, et longo kaka mototoko sala nguna ba papa na biso na ba mama na biso. Sinon Jiguel yo bo écarté ba papa soit parti ce soir toi bien été. Ba na mboka poko komana ce soir ton anyo salati ya, ba problème a misala. Donc comprendre. Merci, on continue. Karel Sita. Bonjour. Bonjour. Ouais. Bonjour. Là même je l'ai vu là sur le ça n'a pas été facile. Je suis venu d'abord à féliciter tout le monde. Tous ceux qui ont participé au live, tous ceux qui ont tapoté, tous ceux qui ont mis ton article. En particulier, parce que c'était le premier à nous avoir informé de ton arrestation. C'était le premier à s'être organisé pour les cagnottes. Et Chris Bouti et l'autre dame là, comment elle s'appelle, Kéto Mundele, si je ne me trompe pas. Parce que vraiment, ça n'a pas été facile, mais au moins, on l'a fait. Et j'aimerais aussi remercier une dame là, mais je n'ai pas trop son nom en tête. Mais la dame en question, elle était, je pense, montée dans un lit où elle avait dit qu'elle va prier. Et elle va prier très fort et qu'elle croyait. En fait, elle avait la foi que j'avais déjà sorti. Porter leurs fruits. Et les prières de tous ceux et celles qui ont prié pour toi, vraiment, je tenais à les féliciter, je tenais à les remercier. Et pour moi, j'aimerais dire ceci. J'aimerais que cette volonté-là puisse continuer comme ça, là. Parce qu'on a gagné la bataille, mais on n'a pas encore gagné la guerre. Hein. Exactement. On a gagné la bataille, mais on n'a pas encore gagné la guerre. Exactement. C'est que ça nous a permis d'avoir... Cette expérience nous a permis à devenir encore plus forts, à devenir encore plus unis. Et je pense que dans l'avenir, vraiment, les bonnes choses vont arriver. Je ne vais pas trop parler parce que j'étais un peu là, je n'arrive pas à parler, je parle tellement vite. En bref, je tenais seulement à féliciter tout le monde. En tout cas, merci beaucoup. Merci aux Congolais, merci aux étrangers qui ont aussi participé comme nous. Exactement. Merci. Parce que je sais de ma place à une autre personne, passez une très bonne journée. Merci, Franjo. Les modos. Ok. Les modos. Vraiment, se déplacer. Ah, ok. Parfait. Bonjour, Faye. Attendez la préférée. Naébi, que Ozara est belle à Colombo. La préférée, attendez. Tongo.